Salut. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2018 et là je me rends à la maison à Précar afin de rejoindre la famille de la maison à Précar pour aller sur Paris. Nous allons rendre aujourd'hui hommage à la sœur Paulette Petit. Sœur Paulette Petit, spiritaine, missionnaire, zélée du Saint-Esprit, qui a été rappelée par le Seigneur au mois d'août dernier. Et tu veux que je me confesse? Qu'est-ce que tu as
Bon, voilà, donc on est à pied, on a fini la messe en hommage à la sœur Milou. Et là, on va à la salle pour la collation, pour le témoignage, voilà, pour discuter en famille. L'enfant sourit, l'enfant brimé par tous, même ce jour, brisons la tyrannie, dans le travail, l'ordre et la dignité, brandissant l'étendard de la patrie. Si esprit a bâti les moins honnis, veillez à l'identité si roi la nangouti. Il y a une modification. Drapeau, c'est Bender. Quand vous chantez, il faut dire Bender. Ce n'est plus drapeau. C'était l'école primaire de référence. Et donc, elle m'a inscrit à l'école Saint-Denis. C'est comme ça que j'ai connu la sœur François d'Assise. Mais j'ai été inscrite à l'école Saint-Thérèse à partir de très récemment, parce que je n'ai pas fait l'école de Saint-Thérèse. J'ai fait sa connaissance parce que, comme on dit, la fraternité passe par des personnes qui servent de trait d'union. Donc j'ai fait la connaissance de sœur Milou via la sœur Pierre-Marie, qui a été la directrice de l'ICP 12. Il y avait une personne que je connaissais, qui était dans un autre quartier de Bangui, victime de mauvais traitements. Cette personne était à la recherche d'un refuge. Et donc, en Centrafrique, j'allais en Centrafrique pour les enfants de la rue. Et après, faisant cela pour Apprenti d'Auteuil, évidemment, Apprenti d'Auteuil et les Spiritains, c'est son cousin germain, ils sont très proches. Donc, et les Spiritaines aussi, donc Sœur Milou, qui était voisine du centre d'accueil missionnaire. J'étais devenue une grande amie de la Sœur Paulette. Et du coup, des fois, pendant lors de ses voyages en France, elle revenait, elle m'appelait en pleine vacances de venir prendre des cadeaux. Sœur Milou était une des 66 cousins germains de mon papa. Donc c'était des grandes familles. La relation qu'avait Sœur Milou avec... Cette journée de recueillement, de partage, cette journée de souvenirs, parce qu'elle a donné sa vie, 60 ans de sa vie, à la Guinée centrafricaine. Donc on ne peut pas oublier les gens qui étaient, les personnes qui étaient avant nous, qui nous ont transmis leur savoir, leur amour, leur bonté. J'ai appris à l'école Sainte-Thérèse comment s'occuper d'un bébé, ce qui est resté en moi. On nous a appris à aider nos mamans, surtout les mamans qui n'ont jamais été à l'école, les mamans qui ne savent pas comment prendre soin de bébé. Ne pas venir pour moi lui témoigner mon affection n'était pas chose normale. Donc, je suis venu au nom de ma famille, au nom de mes deux grandes sœurs, Chantal et Gabrielle, qui l'ont très bien connue, au nom de mon père défunt, qui l'a très bien connue, qui était un ami à elle. Je suis venu aussi lui dire merci. Sur son livre, est intéressant à lire, mais quand elle avait besoin d'aller ouvrir la porte d'un ministère, elle ne se privait pas, c'est sûr. Il y a tellement d'exemples de son action au quotidien. Et quand on a visité l'école Sainte-Thérèse, que moi j'ai pu voir pendant 6 ou 7 années de suite, hein, jusqu'à 2016, c'est clair qu'on ne peut pas rester indifférent à l'action de cette femme dans ce pays. Alors, partons faire le tour du monde, mon ami Marco Polo, tout autour de la terre ronde, sur la mer dans notre bateau. Partons faire le tour du monde, mon ami Marco Polo, la terre est ronde, le ciel est bleu. Que la voile de mon bateau. La terre est ronde, le ciel est bleu. Yeah! Yeah!